Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, dépendamment de qui côté et à qui l'attendez nous sur TV La Caille, chaîne grands événements qui entre La Caille pour nous capables d'informer pour tout dernier détail qui a de l'actualité. Et nous remercions un gros coup de chapeau pour tous les compatriotes qui toujours connectés avec nous, qui toujours aident nous partager l'information et ça toujours quitter les commentaires. Moi, je vous remercie en pile pour tout grand support nous côté envers nous-mêmes TV La Caille. Opération Apsispan dans le village de Dieu. Et côté Léon Charles, qui est en tête PNH, lui-même, il n'a pas décidé de baisser les bras, il n'a pas décidé de camper avec activité opération dans le village. Dans côté, objectif, là, c'est mettre les gens en difficulté, les gens ne pas supporter encore, et stratégie que les gens créent, les gens mettent les gens en côté qui ne pas supporter, ils ne pas faire en haut, ils ne pas faire en bas. Parce que bah, là, vraiment compliqué, situation pas bon du tout pour Negio. Et Léon Charles, l'a marqué point, il n'a pas décidé de faire bac. Et Negio déposé pied à terre dans le village de Dieu. La police, pendant la parler, a pris contrôle du village de Dieu, pas de route, pas de bois dans ça. Et objectif là, c'est mettre Negio en bas code et faire Negio décourager eh ben, dans le moment que n'a pas lié. Pour plus de détails, nous avons une vidéo pour nous donner des informations, pas oublier. Avant nous aller, on seul moyen capable de supporter nous, c'est les ou abonner ou inviter des trois amis, des trois familles, rejoindre nous, soutenir la caille et de nous partager l'information pour plus de monde capable de connaître ce qui s'est passé dans le pays d'Haïti à l'heure actuelle parce que l'insécurité a des problèmes et pas quoi bon monde, quelqu'un qui vit en Haïti, qui doit vivre dans le pays, hein, pas quoi qu'on soit à l'aise dans ce qui s'est passé à Haïti dernier moment. C'est comme si ouais, c'est haïtien. Quand la bataille est haïtien, les pas oublier l'autre, les gens pas oublier l'autre, et bien c'est ça qui passe à Haïti là. Parce que les kidnappés sont malheureux, les kidnappés sont grands, quelle que soit classe sociale, quelle que soit monde, ça veut dire qu'on n'est pas gagné à Kimbou pour clamser au côté et pour la commande de Kouba et Kob. Ça veut dire ça, quelle que soit rang social maintenant, nous pas tolérer, et bien ça que ça eu, et bien faut que la police, Léon Charles, et bien qui vient dans la tête la police là, côté en pile négatif qu'on a dit, il n'y a pas de moyens, la police n'a pas d'équipement pour aller en opération. Et bien, Léon Charles, il paraît, il commence à faire la différence. Et bien, c'est vrai pour qu'on ait un bilan, mais tout le monde est à clair. Et bien, qu'il y a fait tentative pour être capable de déloger Bandi. En suivre pour plus de détails. Donc, 30 ans après, nous vous disons là, il y a des opérations qui ont mené. Comme on te dit, les opérations de la police nationale. Je me pose cette question, Marco. Hein? Les directeurs généraux de la police nationale qui ont précédé Léon Charles avaient toujours dit ils ont beaucoup parlé et ils n'ont pas de matériel pour mener les opérations. Que ce soit mon ami Gédéon, que ce soit Rameau, monsieur Negoudi, pas nous. Est-ce que Léon Charles a déjà les moyens pour mener ces opérations? Est-ce que la police là, bah, est plus d'âmes, plus machines, plus corps? Qui s'est passé? Vous n'avez pas peut-être remarqué, nonobstant les affinités. Affinité comme professeur de Gédéon, bon, comme Rameau est un petit papa, ok, Rameau pas qui trop qui bien avec elle parce que pour tempérament, etc. Mais je me permets de dire, aujourd'hui, est-ce qu'en fait le pouvoir central avait raison sous l'aspect de manque de volonté des autorités de la police nationale à mener les opérations dans des faubourgs misérables là où se cachent les bandits? Je questionne. Pourquoi Léon Charles est venu? Et c'est comme si c'est une autre police. C'est comme si les policiers ont un zeste de mobilisation que au bayo, c'est-à-dire le problème de leadership, comme si son bail est réglé. Est-ce qu'il n'y avait pas un malaise à l'intérieur de la police par rapport à la politique ou par rapport à mode de gestion que pouvoir t'a fait de la police nationale?
Je sais que Rameau avait peur des organisations des droits de l'homme. Je sais. Je sais également que Gédéon ne pouvait pas mener certaines opérations parce qu'en fait, il y a des bagages qui ont tapé Mandel, c'était des choses contre l'opposition. Mais le Léon Charles est venu et depuis M. Vignan préparé opération et Marcos, selon sa régime, opération a mené dans le village là, les policiers ont pas en Mali. Ce n'est pas opération menée à aller retourner, non? Rété en dedans. Donc, qui s'arrivait dans la police là? Je cherche une explication à ce qui a passé. Pourquoi il n'y avait pas d'opération et pourquoi aujourd'hui il y a des opérations que l'a menée. Bah, regardez, j'ai une question. Je ne vais pas lui demander est-ce que le bon, est-ce que le pas bon? C'est beaucoup ça. Est-ce que Rameau avait peur des organisations des droits de l'homme? Parce qu'en fait, Rameau, il voulait créer des dommages collatéraux. Est-ce que ça a fait en dedans là, des dommages collatéraux? Est-ce que l'organisation des droits de l'homme, pour commencer à dire, Léon sont assassins? Mais a remarqué, dès le départ, me dit, ouais, l'opposition peut Léon. Dès le départ, moi, au père. Pour qui ça? Qui action moi, au père? Il y a votre plainte pour monsieur. Plainte pour monsieur, c'est pour effrayer monsieur. Pour monsieur pas faire ça l'affaire. Et c'était une plainte, non juridique, mais une plainte politique et stratégique. Parce que si Rameau tentait résoudre problème de banditisme en dedans, que j'en ai vu là, ou bien de l'autre côté, il y a une possibilité d'organisation des élections. Donc, le comportement des bandits, il est favorable à l'opposition parce que pour qu'il y ait un prétexte, à tort ou à raison, prétexte politique, ou dire que nous ne pouvons pas participer à l'élection, bandits a crasé mon adot à gauche, il y a kidnappé mon, il n'y a pas qu'à mettre bureau dans les zones de non-droit. Donc, il faut mettre Léon Charles en difficulté. Mais a bien remarqué, Léon Charles n'a pas prêté flanc à cette déclaration ou à cette manœuvre politique bien orchestrée par l'opposition. À partir de ce moment, donc, Gon Bagay a passé que je ne pas comprendre la police. Je me dis nous qui ça. Et ça me dit, et par encouragement à encourager mon nom. Où sont les membres de Fantôme 609? Y a-t-il un compromis qui a été trouvé? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce qu'il y a eu une entente? Est-ce que le problème de leadership a été résolu? Est-ce que les revendications telles que formulées par Fantomio, est-ce qu'ils ont satisfait aux revendications sérieuses? Puisqu'en fait, mais pas tant d'eux. C'est pas une manifestation, non? Mais pas tant d'eux faire des déclarations attentatoires. J'ai entendu qu'on fait déjà. Est-ce que quelque part, on bagaille, qui passait, il y a un non-dit que ne pas qu'on est? C'est pas que je demande à ces messieurs de se montrer dans les rues, bagaille pour faire manifestation. Non. J'analyse. Est-ce que quelque part, on bagaille qui passait dans la police, ça qui fait ça? Est-ce que ce sont les mutations, les révocations, les changements? Parce que je viens de croiser au bureau de la DGI l'ancien inspecteur de la police nationale, Hervé Julien, en civil. Hein? Je me salue, monsieur. Je dis, ah non, c'est Hervé Julien, ce n'est pas l'inspecteur. Je profite pour ça. C'est-à-dire, très calmement, je ne sais pas s'il a été. Par contre, ça au favel. Ou qu'on est les retirés, ou qu'on va briver. Par contre, ça au favel. Est-ce que c'est le changement du directeur départemental de l'Ouest? Est-ce que c'est le changement du directeur central de la police administrative? Est-ce que c'est le changement du DCPA? Hein? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le changement commissaire de police? Est-ce que c'est le changement de mutation qui fait dans Pétionville? Bon bagaille qui passait parce que moi, police là, plus présente. L'esprit plus confiance. Moi, dans la rue.
moi yo nan turjo kota y a ramasse moun moi on peut partout pour qui ça avant ça ça pas de fait. Est-ce que c'est problème leadership là ou du moins est-ce que c'est problème salaire yo yo résout ou bien problème revendication résout. Mais faut quand même je ne sais pas. Est-ce que c'est la non-ingérence de Jovenel Moïse au changement proposé par Léon Charles? Non-ingérence. Parce que si on ne savait pas, il faut moins dire. Léon Charles avait accepté le job et puis monsieur Djouma, laissez-moi opérer les changements. Et il y a une personne au Palais National qui a tenté d'appeler pour suggérer un changement. Léon de dire, écoutez, ce n'est pas ça que j'ai en tête moi-même. Monsieur obligé à l'école. Donc, la latitude que monsieur gagne, est-ce qu'elle n'est pas capable de faciliter changement et ça nous a un mode d'opération que à faire. À dire, est-ce que c'est, parce que Léon est un chef. Même si il a posé problème, tu es là déjà, pas de tourner. Mais Léon est un chef. Quelqu'un qui a travaillé aux Nations Unies, Marco. Mm-hmm. C'est-à-dire, OEA, à l'OEA, merci. À l'OEA. Donc, c'est pas un monde comme si vous apprenez et vous menez. Parce que c'est une personne qui, à mon avis, obligée, responsable. Parce que position pâle, son position de Pompéi, ça veut dire monsieur gagné dans le comportement des bagarres à respecter. Donc, est-ce que influence monsieur expérience pas qu'à faciliter la grande cohésion au niveau de la police nationale et l'accompagnement également du ministère de l'économie et des finances hein, à certains bagarres que monsieur commandé, est-ce que ça pas qu'à faciliter pour résoudre le problème de Marco, je me questionne. Je ne sais pas si tu as d'autres questions ou si tu as toi-même des réponses, puisque nous sommes même plateforme là. Mm-hmm. Peut-être qu'on ait des bagages qu'on va connaître, ou bien ou même, aide-moi quand même, Marco et Campagne, à trouver, n'est-ce pas, les éléments réels concernant cette analyse, parce que la police nationale est en mode d'opération depuis plusieurs semaines. Et les autres disaient, police n'a pas réparé pour ça. Hein? Police n'a pas réparé pour ça. Hein? Suis-moi bien. Ils font opération plop, tout bas écrasé et puis tout le monde courit. Ils ont commencé l'opération. Blindé pour un bas, pour un problème. Suis-moi bien. Blindé pour un problème. Ils ont retiré ou remplacé par l'autre. Et autre chose, je me demande pourquoi les autres directeurs généraux n'avaient jamais demandé et imposé les unités du palais national qui détiennent des armes lourdes. Il y a une opération au coin. N'est-ce pas national, il y a une opération. UGPN, ça passe pour qui ça? Pourquoi les autres n'avaient pas demandé? Est-ce que c'est pas l'air de pas de volonté? Ou du moins, c'est confiance, directeur général, n'a pas inspiré? Autant de questions qui doivent nous permettre d'analyser de manière fine et sagace le comportement de nos autorités par rapport à ce nouveau directeur général connu pour Léon Charles. Ainsi soit-il. Marco.